en pyjama descendent pas à pas. Les bananes en pyjama descendent de deux à deux. Les bananes en pyjama pour chasse en s'amusant. Les ours sont malicieux qui voudraient les prendre à leur jeu. B1, B1. Oui, B2. Ah, on doit avoir un visiteur, B2. Les bananes en pyjama adoraient recevoir des visiteurs. Alors, quand elles entendirent la sonnette, elles descendirent rapidement les escaliers pour voir qui c'était. Il n'y a personne, B1. Rien qu'une grosse boîte, B2. Au début, les bananes ne comprenaient pas ce que la grosse boîte faisait là. Puis elles se rappelèrent que c'était un cadeau qu'elles avaient commandé pour les oursons. C'est pour nos amis. Il va falloir la porter à la maison des oursons. Bonne idée, B2. Allons-y. Les oursons! Il n'y a personne, B1. Oh, on va laisser le cadeau à l'intérieur, B2. Ça leur fera une surprise. D'accord, B1. Est-ce que tu penses à la même chose que moi, B1? Je pense que oui, B2. C'est l'heure de pousser! Mais malgré tous leurs efforts, les bananes n'arrivaient pas à faire entrer la grosse boîte. Rien à faire, B1. Bonjour les bananes, qu'est-ce que vous faites? On essaye de pousser cette boîte à l'intérieur, Anne. Oh, mais elle ne veut pas passer. Oh, alors, essayons de la tirer avec ma corde à sauter. Bonne idée. Tu y arrives? Presque. Voilà. 1, 2, 3. Poussez. 1, 2. Et même à 3, en poussant et en tirant, il n'arrivait pas à faire passer la boîte de l'autre côté. Eh bien, je vais aller me rafraîchir à l'intérieur. Bonjour les bananes. Bonjour Loulou. Qu'est-ce que cette grosse boîte fait ici? On essaie de la pousser à l'intérieur. Mais elle ne passe pas. Je vais la mesurer. Loulou savait qu'il fallait bien réfléchir devant ce genre de problème et elle trouvait souvent les solutions. Oh, le problème, c'est que l'embrasure de la porte est trop petite. Elle a raison, B1, c'est trop petit. Eh oui. Alors, je vais faire un trou pour l'agrandir. C'est astucieux, B1. Oh, très, très astucieux, B2. Mais est-ce que ça ne va pas ruiner notre entrée? Bien, peut-être. Mais on pourra la réparer ensuite quand la boîte sera à l'intérieur. Bon, d'accord. Ah, bonjour tout le monde. Bonjour Martin. Hey, qu'est-ce que tu fais, Loulou? Oh, ne me dérange pas, Martin. On essaie de faire passer la boîte à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, je ne sais pas, Martin. Je peux l'ouvrir. Je t'en prie, Loulou. J'adore ouvrir les colis. Non, Martin. On agrandit l'ouverture pour faire passer la boîte. Hé, elle est ouverte. Eh bien voilà. Regardez, c'est une trottinette. C'est une trottinette, elle est super. On savait que vous l'aimeriez. Et elle entre très facilement sans la boîte. Oh, elle est magnifique. Mais d'où vient-elle? C'est un cadeau de notre part. On l'a commandée au magasin la semaine dernière. Parce que vous êtes nos amis. C'est très gentil de votre part, les bananes. Oh. Merci, les bananes. Alors, on n'aura pas besoin de faire entrer la boîte, après tout. Je suis bien contente qu'on n'ait pas à faire un trou dans notre entrée. Heureusement que Martin a pensé ouvrir la boîte. Mais où est Martin? Martin avait transformé la boîte en tunnel. Et les bananes et les oursons s'amusèrent tout l'après-midi.